Qu'est-ce que la déshumanisation? C'est l'expulsion d'un homme, d'une femme, hors du monde des humains, vivant et mort humain, puisque dans son aspect le plus abouti, on lui refusera jusqu'à la sépulture, on lui déniera la mémoire et le nom, on lui contestera la trace. La déshumanisation, c'est la destruction de tous les symboles et les moyens de la singularité et de la dignité d'un individu. C'est sa déconsidération d'être unique et son droit d'être unique, ce qui précisément nous fait homme. Et c'est ce qui fut orchestré au Rwanda avant et pendant le génocide qui se déroule au printemps 1994. Aucun Rwandais Tutsi n'a gardé son nom. Il est seulement devenu Inyenzi pour cafard, Inzoka pour serpent, puis après que les femmes aient été systématiquement violées, et les hommes souvent émasculés, puis découpés à la machette, à la houe, au marteau, on laissa leur corps au seul monde auquel il était décidé qu'ils appartiennent, à la terre nue et aux bêtes qui la peuplent. Mais la singularité de ce génocide, c'est la proximité inédite d'une grande partie des bourreaux avec leurs victimes. Car ceux-ci qui rabaissèrent, ceux-ci qui violèrent, ceux-ci qui noyèrent dans des fosses d'aisance, ceux-ci qui mirent à nu, étaient souvent voisins, mais aussi collègues, amis, voire parents. Comment cela fut-il possible? C'est le sujet qui m'a occupée pour mes recherches de doctorat, 7 ans à parcourir les prisons rwandaises, mais aussi le Bénin, l'Afrique du Sud, la France, la Belgique, pour tenter de comprendre par les mots de ceux qui l'avaient vécu, cette violence. Avec le peu de temps imparti, impossible d'exhumer toutes les racines qui furent nécessaires à ce processus de violence extrême et intime. Mais il y a 3 points, relevés dans presque tous les entretiens autobiographiques que j'ai menés, qui reviennent systématiquement. L'importance d'une politique mémorielle de ressentiment menée pendant 30 ans par les régimes indépendants, héritage d'une pensée raciste et de la discrimination imposée par la colonisation. Le contexte long de la guerre qui favorise la militarisation de la population et l'impunité dans une situation d'impasse sociale. Et la propagande d'État qui détourne la colère du peuple contre les Tutsis et dont la force est démultipliée par la topographie. Et c'est un élément essentiel. Des collines aux habitats reculés, isolés. Ces milieux constituent des réseaux fermés qui ressemblent à ces chambres d'écho que l'on retrouve aujourd'hui sur Internet, où la personnalisation algorithmique et les filtres favorisent la répétition, le conformisme, et surtout rendent difficile le démenti. Des mécanismes modernes d'intoxication de la pensée qui passaient au Rwanda par un cercle d'habitat restreint, dépendant d'eux-mêmes, sans beaucoup d'échanges avec le monde extérieur, et qui passent aujourd'hui par des tweets, des likes et un téléphone. Et ce sont ces 3 points, surtout, qui entraînent la désuétude des liens affectifs entre Rwandais Hutu et Rwandais Tutsi, car dans un contexte de peur, la suspicion de trahison systématique des Tutsis, humiliés, limités dans leurs déplacements, permettent d'atteindre graduellement la mise à distance nécessaire des tueurs avec leurs futures cibles. L'on ne se rencontre plus. Or, moins l'on se voit, moins l'on peut démentir. Moins l'on se voit, plus les liens se dénouent. Si l'on ajoute à cela la force mimétique et coercitive du groupe, au Rwanda souvent constitué de proches, amis, frères, cousins, alors on peut comprendre davantage comment l'intimité s'est invitée au cœur des massacres. Si la violence prit une forme si singulière au Rwanda, la plupart des ressorts de ces crimes furent décrits par les sciences sociales et sont universels. Ces travaux ne sont pourtant ni assez connus, ni assez souvent utilisés. Or, si le but de la recherche est le savoir, c'est aussi par la connaissance espérer prévenir et faire mieux. Aussi, je remercie profondément la Fondation Auschwitz, son président, M. Henri Goldberg, l'ensemble de son comité scientifique, et Mme André Gaillet, représentée aujourd'hui par M. Ferrand, fondatrice de la Fondation, Jacques Rosenberg, pour avoir récompensé ce travail de recherche, ainsi que M. Daniel Vessoff, pour sa gentillesse et son si chaleureux accueil. J'aimerais aussi exprimer ma gratitude envers Michel Jopard pour m'avoir tellement soutenue et fait découvrir la Fondation, grâce à vous, comme grâce à ma directrice de thèse, Gloria Origi, et ses soutiens de toute une vie, mes parents,
ma sœur Hélène Faucheux, ma mère Anne Terrasse, mon père, tant manqué, Jérôme Faucheux. Et grâce à tous les Rwandais, surtout incroyables, qui m'ont confié et donné leur, qui m'ont donné leur confiance et confié leur mémoire. En particulier Valence Kabarari, Jacqueline Boussier-Doucenge, Innocent Rizingana, Emilienne Moukansoro. Le fruit de cette recherche pourrait être mieux connu. Grâce à vous, j'ai l'opportunité de continuer à travailler un peu dans ce pays qui devrait être plus investi par la recherche. Plus investi car les Rwandais aujourd'hui parlent et avec quelle finesse! Les Rwandais témoignent, les Rwandais veulent être entendus. C'est d'autant plus important que nous faisons face à la résurgence de nationalisme et d'obscurantisme et qu'en réponse à la détresse qui les nourrissent, on impose souvent la seule répression et la fermeture. Pourtant, ce que le Rwanda enseigne, ce dont les Rwandais témoignent, c'est l'importance de la rencontre. Ce que les Rwandais nous enseignent, c'est que ce qui sauve ou ce qui peut sauver, c'est la rencontre renouvelée dans des quartiers ou des réseaux où l'on ne rencontre plus. Ce qui sauve, c'est l'impossibilité de l'autarcie des idées noires. Écoutons-les. Je vous remercie.